passé un premier mandat au département. Donc c'est aussi, comme à chaque fois, une certaine émotion de la confiance que nous ont accordé les électeurs et les électrices. Alors, quel est un petit peu votre rôle ? Vous voulez jouer un rôle dans cette assemblée départementale ? Absolument. Le groupe socialiste et républicain a toute sa place dans la construction de l'avenir du département. On doit être une opposition constructive, regarder dans chacune des commissions qui vont être désignées et dans lesquelles nous aurons notre place, et bien faire entendre notre voix si elle est discordante, mais aussi quand on ira vers du consensus pour faire avancer le département de la Moselle. Vous pensez pouvoir dépoussiérer un peu cette institution ? Alors, j'en ai absolument le sentiment et au-delà. Plus de femmes, c'est plus de démocratie. Plus de démocratie, ça amène une autre manière d'être, de travailler, de réfléchir. Bon, on a bien vu ce matin qu'il y a encore quelques clichés difficiles à combattre. Mais ils vont s'y faire et on les mettra, j'allais dire, dans notre mouvement à nous. On peut imaginer que dans quelques années, ce soit une présidente d'assemblée départementale. Je crois que, bien entendu, il pourra y avoir une femme à la tête du département, mais même au-delà. Je pense que à partir de ce changement très important de l'intégration des femmes au niveau du département, on aura un renouvellement complet au niveau des circonscriptions législatives et donc aussi au niveau du national. Donc c'est une vraie grande transformation à venir et on pourra se redonner un rendez-vous dans quelques années. On pourra vérifier ce qu'on vient de dire aujourd'hui.